Salut tout le monde, c'est Bouskabian et aujourd'hui on se retrouve, pardon putain j'ai fail un peu mon intro, mais on se retrouve sur Champ de Bataille 4, un jeu très clairement bien développé. Donc on se retrouve sur Battlefield 4 comme vous avez pu le voir, putain je lag déjà. Bien, putain, j'étais en fucking concentration, les gens. Donc, j'ai plusieurs choses à vous dire, on va dire. Ça fait beaucoup de dire, mais comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas fait de vidéo cette dernière semaine. Ça fait une semaine exactement. De 1, j'en suis désolé, ce n'était pas voulu. De 2, j'avais réellement pas le temps. Et de 3, je manquais d'espace sur mon disque dur local C, et j'ai essayé maintes et maintes choses parce que je m'y connais pas trop dans les disques durs en gros, et enfin si vous voulez vous avez plusieurs partitions et tout, c'est bien chiant, je vous envie des fois les joueurs console, mais bon, et j'ai dû attendez vite fait, je vous laisse checker ma classe. Alors donc j'ai mis la petite M16A4 avec un VPR, donc viseur point rouge, viseur laser vert, canon lourd qui limite le recul, et poignée ergo avec un petit camouflage assez gras. On va mettre vite fait par défaut, ça on va laisser. Et puis en deuxième arme, 44 magnum, petite classe posée que je vous conseille. Mais enfin bref, j'étais en train de vous dire que en gros j'ai fait plusieurs tests pour, vu que je manquais l'espace disque dur, j'ai fait plusieurs tests. Et en fait j'ai supprimé la moitié de tous mes jeux, plus de la moitié, les trois quarts, et donc du coup j'ai dû tout réinstaller et ça m'a pris la semaine entière, hein. Vous imaginez bien que je devais avoir pas mal de jeux, donc BF3, BF4, et du coup j'ai dû les réinstaller, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais je m'en excuse les gens, ça va repartir de bon poil, de bon pied, je sais pas trop comment dire ça. J'essaie de contrôler un peu le mythe, ça risque d'être un petit peu chaud. Attends, il y a un mec qui essaie de me contourner là. Je me passerai de commentaires. Ouais d'accord, j'apparais même pas dans le classement pour vous dire que je suis une réelle shit, pardon. Je compte lancer un petit jeu à partir de cette vidéo où à chaque fois que je... à chaque fin de vidéo, en fait tout à la fin, vraiment à la fin, je dirai un seul mot qui désignera la prochaine vidéo que je ferai sur un certain jeu. C'est un mot en rapport avec le jeu, donc je sais pas, par exemple si c'est du Watch Dogs, et ben je dirais hack tout à la fin, genre je vous dirais et bien, et puis à plus tout le monde, portez vous bien, hack. Et là vous me direz dans les commentaires ou pas si vous savez de quel jeu je parle, bien sûr. Hop, petite grenade à mon avis fail, et bien oui, toujours un gros salaud qui essaie de contourner tout le monde. Oh là 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 là, attendez, regardez ce qu'on va faire. Sur plaisir, voilà, petit connard. Ça c'est fait, mon gros. Du coup, ils ont posé, je crois, ou c'est à nous de poser, j'en sais rien. Pour vous dire, ça c'est l'un des modes de jeu auxquels j'aime bien jouer, mais que d'autres personnes ne jouent pas énormément, on va dire. C'est pas un mode de jeu très apprécié, ou je sais pas, mais il n'y a pas énormément 12 joueurs, sachant qu'il faut avoir un minimum de skill pour y jouer. C'est du Counter Strike quoi, la recherche et destruction. Oui, je vous ai même pas dit, mais je suis en diffuse en fait. C'est comme du Counter Strike pour ceux qui ne connaissent pas. Oh, t'es sérieux mon gars, il te restait quoi, 2 HP limite. Putain. Et bah c'est pas grave, on a remonté le score. 1-2, c'est cool. 1-3, je n'aime pas. Donc voilà, je crois que ça se divise en 2 manches ou en 3 manches.
Et après, on va repasser. Ouais, 1, 2, putain, vous avez oublié mon score. Voilà, vous l'avez pas vu, hein. On va dire que BF4. Je vous fais une vidéo sur BF4 parce que je sais que les gens apprécient plus BF4 que BF3 maintenant, on va dire, parce que BF3, ça, c'est quand il est quand même resté longtemps à l'affiche. Et maintenant, peut-être que les gens s'en sont lassés. Mais moi, je préfère clairement jouer à Battlefield 3 que à Battlefield 4. Là, en ce moment, je sais qu'ils font des espèces de community test environment, donc des tests communautaires faits par la communauté BF, où en gros, les joueurs premium peuvent jouer à une version améliorée de Battlefield pendant que les pauvres joueurs lambda, j'ai envie de dire, jouent toujours sur la version de merde, c'est-à-dire netcode de merde, et voilà quoi. Qu'apparemment ça touche aussi bien que sur BF3. Donc c'est une bonne nouvelle, hein, mais bon après je ne sais pas réellement quand ils vont nous sortir ça. Déjà qu'ils ont présenté Hardline, Battlefield Hardline qui a l'air extrêmement nice. Mais faudrait que je regarde ça vite fait. Donc c'est un peu, pour le coup c'est un petit peu du Counter-Strike à la BF hein, qu'ils nous ont fait. C'est les combats urbains en fait. Attendez parce que là j'ai... Non. Oh là là, si je meurs dès le début mon gars. Mec, je sais pas trop où il est dans son quartier là. Donc en gros c'est les combats urbains, ça sera flic contre terroriste. Donc un peu comme du Counter-Strike, il y aura des missions otages, apparemment un nouveau mode. Ça peut être très intéressant moi je trouve, sincèrement. Hein. Après tous ceux qui disent que ça s'éloigne de plus en plus de Battlefield, et ben en même temps c'est un petit peu vrai, mais en même temps il faut bien du renouveau. Sachant. Putain la grenade fail mon gars, en plus. Et si je lui mets une tête au magnum. Ok, I am dead. Non. So easy. Donc là, je suis derrière un mur. Hein. Mais bon, je me suis fait tuer. Mais c'était probable que je me fasse buter par le mec de devant, hein, puisque de toute façon un mur n'existe pas dans ce jeu. Hein, voilà. Hein. Mais apparemment, donc du coup, dans la nouvelle version de Battlefield, ils ont avancé le tick rate, enfin multiplié, en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En fait, quand vous tirez sur quelqu'un, on appelle ça. Un tick rate quand on touche, en fait, par exemple, je sais pas comment dire, c'est le nombre de secondes où la balle va toucher l'adversaire. Par exemple, sur BF4, on va dire que le tick rate est de 1 seconde, ce qui me paraît fort probable, ou peut-être pas. Et en gros, ils ont amélioré le tick rate, c'est-à-dire qu'au lieu de que ça soit 1 seconde, ça soit 0,5 secondes, on va dire. Et ce qui fait qu'en fait, on touchera mieux puisque la balle mettra moins de temps à arriver. Donc voilà, je vous ai expliqué les tutos simples de Blue Skyman sur Battlefield 4. Exactement, donc c'est ça en gros. Ça pourrait être très bénéfique. Voilà, ça peut être cool. Enfin, c'est pas que ça peut être cool, c'est que ça va être cool. Ça va être cool. Putain, le kill, mon gars. Trop de puissance en moi là. Ah, très bien, donc ça, je sais pas s'ils pourront faire quelque chose un jour pour ce bug, mais c'est assez récurrent, on va dire. On remarque qu'on s'y a fait à la langue, hein. Il y aurait pas un petit mec là-bas, non? J'ai cru voir un coco là-bas. Là. Est-ce que c'est pas lui que j'ai entreaperçu? Je suis extrêmement concentration là. Comment je vais faire pour les. Ouais, ok, d'accord. Ça se passe totalement pas là où je suis. Ce n'est pas grave. Très bien. On termine sur un 2-2, je crois. Votre équipe a gagné. Génial.
Hop, c'est reparti. On va essayer vraiment de la. Ah non, 1-1. Ok, d'accord, c'est vraiment un score. Donc là, c'est pas du tout une vidéo gros kill, hein. C'est surtout une vidéo détente. Moi, je suis avec mon ice tea à côté. Vous êtes avec votre coca ou votre orangina, je sais pas ce que vous buvez, mais gavez-vous bien. De toute façon, il n'y a que ça de vrai dans la vie. Boire comme un gros porc et jouer, c'est tout ce qui compte. Avoir une vie de fucking no life. Et voilà quoi, on s'en bat les couilles. Là, c'est assez dégueulasse, hein. J'ai une espèce de truc chelou sur mon jeu là. Toujours cette latence que j'explique depuis mille et maintes reprises, mais c'est clairement hardcore, hein, franchement. Vous serez à ma place, vous comprendrez rien à ce qui vous arrive. Moi, je te petit bague, mon gars, allez! Ça se passe, bordel de merde. Ah, très bien, tu mets à peu près 30 ans à monter. Oh, je suis sûr que ça se passe en haut, putain, les mecs. Putain de pute, là, ça campe, ça campe. Ça campe pas, je dis rien, moi, je dis rien, je dis rien, je dis rien. Hop, petite grenade! Grenade! Autre grenade? On va se la jouer Magnum. Ou pas? Oh! 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 Non, bon, c'est nice. Bon, bah voilà. On remonte le score avec un 4-1. Score extrêmement potable. Bon, bah double kill au Magnum. C'était assez joli. Très belle action de la part du défenseur. Bon, normalement, c'est la fin de la manche, mais est-ce qu'il y a une autre manche? Je ne sais pas, vu que je joue pas beaucoup à ce mode, comme je l'ai déjà dit. S'il n'y en a pas, eh ben, on se laissera là. S'il y en a une, eh bien, on repartira. Gros rime, hop. Je ne pense pas qu'il y en ait une autre. Cela m'étonnerait fort, puisque ça ne redémarre pas tout de suite. Bon, bah voilà. Chargement infini. Chargement infini, de toute façon, si vous regardez un petit peu le temps de la vidéo et que vous voyez que ça s'arrête à 13 minutes, bah, ça veut dire que c'est la fin. Et je pense, bah voilà, c'est la fin. Bon, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit mot à la fin qui comptera. Vous me direz dans les commentaires si vous avez trouvé le jeu prochainement que je ferai. Et puis bah, moi je vous laisse. Portez-vous bien les gens. Salut tout le monde. Nazi!